tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Petit ours brun doit patienter. J'ai travaillé très tard hier soir. Allez, maman chérie, s'il te plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Ouais, je vais chercher ma bouée. Allô? Oui? Ah! Oui, bien sûr, pas de problème. Non, mais t'inquiète pas. Je vais m'occuper de bébé ourseron. Nous arrivons tout de suite. Mais on va plus à la piscine alors? Bien sûr que si. On doit juste attendre que ta tante revienne. Il faut encore attendre? Oh non, j'aime pas ça, c'est trop long. Je voudrais partir maintenant, moi. Mais Nounou, elle peut pas s'en occuper de baby ourson? Elle est absente aujourd'hui. Allez, viens. Ça y est, elle arrive. Un peu de patience, elle va pas tarder. Mais c'est quand exactement qu'elle revient? Bientôt. On fait une partie en attendant, si tu veux? Ah oui! Waouh, j'ai gagné! Bravo, champion! Entendu? Il dort plus. On a dû le réveiller en criant. S'il est réveillé, il peut venir à la piscine avec nous, hein, maman? Et pourquoi pas? Laissons-le tranquille. Il dort si bien. Il a dû faire un petit cauchemar. Oh là là, mais pourquoi il faut le laisser dormir? Nous, on doit partir. On ferait mieux de le réveiller, oui. Hein? Oh! Allez, réveille-toi. Chut! T'es sûre qu'elle marche bien, la pendule? Les aiguilles, elles bougent pas vite. Oui, il faut juste attendre encore un petit peu. Oh, c'est long! Avec toi dans le petit bain, d'accord? Il est où ton maillot? T'as bien dormi? Dis, ils sont où tes brassards? Un instant, ton cousin va d'abord goûter. Oh, c'est drôlement bon. Mange vite et après on part. Et un peu de compote, peut-être? Bon, s'il est grognon, c'est que sa sieste a été trop courte. Je vais le recoucher. Quoi?
quand est-ce qu'on va à la piscine alors? Ta tante ne va pas tarder, encore un peu de patience. Dors tranquille, joli bébé. Avec les parents, c'est toujours comme ça. Mais on va jamais partir là. C'est toi, grande ours rousse? Oh, bonjour. Mais je me suis trompé de maison. On va pouvoir partir puisque t'es là. Mais pour aller où? À la piscine, tiens. Bébé ourseron, il dort et maman le garde. Et moi, j'attends trop. Ah, je comprends. Et tu veux que je m'occupe de lui? Oh. Mais dis-moi, qui garde qui? Tu vois, c'est facile de nager. Mais on doit toujours attendre. Maman, c'est bon? On va à la piscine? Oh, oui. Tu as été si patient, mon petit brin d'ours. Hey, super, t'es là. On joue à quoi? On va nager avec bébé ourseron. Tu viens avec nous? Ouais, trop bien. Et moi, je peux venir aussi? Oui, mais on part tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. La partie de pêche. On va pêcher des poissons. Chut, chut, chut. Soyez discrets, le bruit fait fuir les poissons. On va pêcher des poissons. Ah, ici c'est parfait. Papa, comment on fait maintenant? Attends, il va nous montrer. Dis, papa, les poissons, ils dorment dans l'eau? Mais oui. Tiens, voilà leur petit déjeuner. On dirait des nouilles. Vert, t'as vu? Elles bougent. Quand le poisson gobe l'asticot, ça tire sur le fil et le bouchon coule. Alors là, hop, il faut vite relever la canne d'un petit coup sec. D'accord? Les poissons qui sont au fond. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de poissons ici. Si, si, ils sont bien là. Il faut juste être un peu patient et rester bien tranquille. Eh ben moi, je bouge pas du tout. J'en ai un! Ouais, moi aussi! C'est toi, mon gros poisson! Bon, je répare tout ça, mais à partir de maintenant, il est interdit de vous pêcher. Venez, venez, petit poisson! Un petit malin a dû le gober. Je vais t'en remettre un autre. Hé, hey, les poissons, je vous préviens. Mon papa, il a encore plein d'asticots pour votre petit déjeuner. Papa, ça bouge! Vite! Regardez bien comment il faut faire. Et hop! Et voilà! Bravo, papa! Alors, tu t'es bien régalé avec l'asticot? En tout cas, ce midi, c'est nous qui allons nous régaler en le mangeant. Mais non, ça se peut pas. On mange pas un poisson comme ça. Bien sûr que si. T'en as bien mangé chez moi dimanche. Oh oui, c'est vrai.
Mais c'était pas un poisson comme celui-là, c'était un poisson pané. Tu sais, dans la rivière, tous les poissons sont d'abord comme celui-là. Mais une fois qu'on les a pêchés, on les cuisine au four ou alors pané pour les déguster. Ah bon? Les poissons qu'on mange, ils sont comme celui-là? Mais il est trop mignon. J'ai pas envie de le manger, moi. Regardez! Oh, attention, attention! Il va repartir dans la rivière. Je l'ai! Oh, ça glisse! Peut-être bien que vous êtes des cousins tous les deux. Tu vas voir, je vais en attraper un autre, encore plus gros. Mais moi, j'ai toujours rien. Ben, fais comme moi. Lance ton bouchon plus loin. Tellement il était costaud. Chut, tu fais peur à mon poisson, là. C'est pas juste. Le mien, c'était le plus beau et il est reparti dans l'eau. Bon, les poissons ont dû aller faire la sieste. On s'en va. Mais papa, j'ai pas eu mon poisson, moi. Ne t'inquiète pas, on reviendra. Pêcher mon poisson maintenant. Une autre fois, là on rentre, maman nous attend. Non, je reste là. Il y a un poisson là, je l'ai vu. Il était juste là. Il est beau, hein? T'as vu comme elles sont brillantes, ces écailles? Et son ventre, il est tout doux. Je crois qu'on va bien se régaler. Trois poissons, c'est un bon petit festin. Ah non! Mon poisson, je le ramène à la maison, mais je le mange pas. C'est pas possible. Il va mourir si tu le laisses dans le seau. Et si je le mets dans la baignoire? Cela n'y changera rien, mon petit ours. Je veux pas qu'il meure, moi. Ou alors je le remets dans l'eau. Ouh, attends! Je fais d'abord une photo de vous avec les poissons pour la montrer à maman. Au revoir, mon poisson. Moi aussi, je veux le remettre à l'eau. Tiens. Toi, tu es trop petit pour le ventre de mon papa. Un petit bout d'hiver. Bah, qu'est-ce que tu fais, Nounou? Oh, j'ai tellement chaud que je ne sais plus comment me rafraîchir. Tu devrais aller voir les Esquimaux. Papa dit que chez eux, il fait toujours très très froid. Ah oui, mais ils habitent aussi très très loin. Je vais quand même les appeler. Allô, les Esquimaux, ici Nounou. J'ai vraiment trop chaud, là. Vous pouvez m'envoyer un petit bout d'hiver? Ah, et même un tout petit bout? Ah, d'accord. Oui, oui, je comprends. Merci. Eh ben, c'est pas possible. Tant pis. Bon, c'est l'heure d'aller chez ta cousine, et puis moi, je dois aller faire les courses. Peut-être que tu peux aller acheter des glaces. Ça serait super si je pouvais fabriquer un petit bout d'hiver. Elle aimerait ça, Nounou. Oui, mais comment je peux faire? Mais c'est même pas la règle, tu dis n'importe quoi. Si c'est la règle,
T'es juste pas contente parce que tu perds. Il m'énerve à toujours faire son commandeur. On joue à quoi? À chat perché? Chat perché! C'est beau! On dirait des flocons de neige! Ah, mais c'est vrai ça! Ça va? T'as pas trop froid? Oh si! Faut que je mette un bonnet. Et une écharpe! Mais aussi des grosses chaussettes avec une doudoune. Agla-gla, moi aussi j'ai froid. Attention, voilà une tempête de neige. J'ai une idée. Si on faisait un spectacle d'hiver pour Nounou. Quoi? Tu sais, elle voudrait un petit bout d'hiver parce qu'elle a très très chaud. Avec des déguisements? Prendra pour faire la neige par terre. On a le droit? Mais oui! Aide-moi! Vous faites quoi? Rien du tout! Laisse-nous passer! Vous allez où? Ça te regarde pas! Pousse-toi, je te dis! T'as pas le droit de nous espionner. C'est un secret, pas vrai, petit ours brun? Oui, c'est un secret. Et ça tombe bien, j'adore les secrets. Alors, on est dans le jardin de Nounou. Donc, c'est pour elle. J'ai raison, hein? Attention, c'est pas bien de mentir. C'est pour Nounou, oui ou non? Oui, elle a trop chaud. Alors on lui fait un petit spectacle, comme si on était en hiver. Même que la neige, ça sera les fleurs de l'arbre. Mais fallait pas lui dire. C'est fun, votre jeu. Moi, je peux faire un champion de ski. Oh oui. Non, tu nous énerves. Et puis tu sais même pas skier. Il peut faire semblant comme nous. On n'a pas de ski. Les skis, c'est que des planches. Et il y en a plein dans la cabane de papa. En plus, à trois, c'est plus drôle. Dis-lui, ours noir, que tu feras pas ton commandeur. Je ferai pas mon commandeur. Bon, d'accord. T'es trop fort, cousin. Oui, ours noir joue avec nous. J'ai bien fait de lui dire, moi. Il est grand, il est marin. J'aime bien quand il est là. J'ai déclenché une avalanche. Ah, ça fait du bien ce froid-là. Ça rafraîchit vraiment. C'est comme un petit torrent qui descend là-dedans. On a oublié de faire le bonhomme de neige. Ça va, mon petit brin d'ours? Tu n'as pas trop chaud? Non, non, tu peux faire un bonhomme de neige. C'est très, très important. Nounou arrive. Je vous laisse vous habiller. Je m'occupe d'elle. Et tu tires bien les rideaux, comme pour un spectacle. Oui, oui, j'ai bien compris, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Allez, je file. Oh, cette chaleur me rend toute molle. J'ai fait mes courses à deux à l'heure. Pourtant, il neige dans le jardin. De la neige, en plein été? Oh, c'est pas possible. Ça sent la surprise. Les enfants voulaient t'offrir ton petit bout d'hiver. Oh, c'est adorable. Et ces flocons de fleurs, là, comme c'est poétique. Oh, brrr, j'en frissonne. Merci. Merci. Oh,
Oh là là, mais t'es en train d'attraper froid, toi. Viens, je vais te faire un bon chocolat chaud. Je préfère une très très grosse glace, moi. Une maracas pour deux. Tu m'as reporté quoi, maman? Doucement, mon ourson. Ah, j'ai trouvé. Il est trop beau. Ça te plaît? C'est un taureau tirelire pour ranger tes pièces. Ah oui, là. Oh, la chance. Ah ah, voilà celui pour ta cousine. Tiens, grand ours rousse. Pour une maracas. T'as vu ça, petit ours brun? Elle a de la chance d'avoir une maracas. Elle peut faire de la musique avec. Alors que moi, j'ai juste une tirelire à la place. Et vide en plus. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3. Moi aussi, je vais le faire. Oh non, c'est à moi. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3. Non, c'est pas vrai. Des pièces en or. Mais t'es riche alors. T'es trop marrant. Quoi? Tu veux aller avec Grand Ours Rousse? Et qu'elle me presse sa maracas? Je suis pas bête, hein. Je sais bien qu'une tirelire, ça parle pas. Tu veux pas me la prêter? Un tout petit peu. Oh, bon, d'accord, je te la prête. Mais après, tu me la rends, hein? Ouais! Grand ours rousse, c'est l'heure de rentrer chez toi, ton papa t'appelle. Bon, tu me la rends? Rends-la-moi! Wow! Petit ours brun! T'es où? Trouvé! T'es trop méchant! Tu m'as fait mal en plus! Je fais quoi avec ma maracas maintenant? C'est moi qui l'ai, d'accord? Mais je suis tout seul. C'est pas très marrant. Joli taureau. Tu l'aimes, toi, nounou? Alors, je te le donne. Ah bon? Oh, mais c'est une tirelire. Oui, mais moi, je préfère la maracas de Grand Ours Rousse parce qu'elle fait de la musique. Oh là là, viens avec moi. Dans ma maison, il y en a plein, des maracas. Ah bon? Où ça? J'en ai jamais vu chez toi, moi. Bah, c'est parce que t'as pas bien regardé. Un pot avec des grains de café, un autre avec des clous de girofle et un autre avec des macaronis. Bah, c'est pas du tout des maracas. Alors, et ça, ce ne sont pas des maracas? Je peux moi aussi? Mais bien sûr. T'as vu? Moi aussi j'ai ma maracas. Tiens, fais comme moi. Eh ben dis donc, ça swing ici. Et on vous entend.
sortons du jardin. T'as vu? Moi aussi j'ai une maracas. Bah non, c'est une tirelire. Mais si, écoute. Et t'as pas entendu la musique dehors? Je vous ai vu par la fenêtre. T'as mis quoi dedans pour que ça fasse de la musique? Des pièces? J'ai mis plein de boutons de nounou. Si tu veux, je te les change contre ma maracas. Je préfère garder mon cadeau. Qu'est-ce que je fais? Je lui prête ou pas? Bon, allez, je lui prête. Ça va lui faire plaisir, je crois. Bon, si tu veux, tu peux l'essayer. Parce que moi j'ai quelque chose pour toi. Mais si tu viens pas, tu ne l'auras pas. Papa, je trouve pas Minette. T'as essayé les croquettes ? Je peux plus attendre, il faut que je te voie. Allez, montre-toi, Minette. Dépêche-toi, mon chat. J'ai un super cadeau pour toi. Ah, mon petit ours, t'es rentré. Alors, c'était bien tes vacances? Ah oui! Minette! Elle est pas là, Minette? Oula, ta Minette, ça fait quelques jours que j'ai pas vu le bout de son museau. Ah bon? Eh oui, Minette aussi a le droit de se prendre des petites vacances. Ils sont comme ça, les chats. Ils disparaissent et ils reviennent. Oui, mais d'habitude, elle vient quand je l'appelle. Et je connais toutes ses cachettes. Là, j'ai cherché partout et... Oh, mais... viens là, mon ourson. Mais elle est où, ma Minette? Pourquoi elle a disparu? Elle me manque tellement quand je la vois plus. Et tu sais quoi? J'ai appris une chanson pendant que t'étais pas là. Trois petits minous, petits minous, petits minous, qui s'amusent comme des fous, comme des fous, comme des fous. Pourquoi tu pleures? C'est Minette, elle a disparu. Mais non, pas disparu, elle se promène. Allez, tous dans le jardin. À tous les coups, Minette n'est pas loin, elle va revenir en vous entendant. D'accord, nounou. C'est vrai que ça ne ressemble pas à Minette. Minette! 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 Voilà, c'est Minette! On l'entend! On dirait qu'elle est coincée. Je vais chercher mon papa. Tiens bon, Minette, on va t'aider. Ah, salut mon neveu! Elle est par là! Plus vite, papa! Eh ben dis donc, c'est une urgence! Damoiselle Minette, je viens pour vous sauver. Ah zut! On dirait que son collier est pris dans la gouttière. Mais Minette, elle n'a pas de collier. C'est bon. Oh non!
C'est pas Minette? Mais qui c'est celui-là? Mais alors, elle est où Minette? Regardez! Allez, Zou, je vous emmène au village. Nous allons mener l'enquête et résoudre le mystère Minette. Oui, on va te retrouver, Minette. Monsieur Ourse-Ted, Monsieur Ourse-Ted, on cherche Minette. Voyons, voyons. Pas vu. Ah si, je sais. Suivez-moi. Fripouille, Fripouille. Ah, Madame Ours Blanche, je vous cherchais. Ce sont eux qui ont perdu le chat que vous avez trouvé. Retrouver un chat, mais pas du tout. Moi, j'ai perdu un chien. Mon chien Fripouille. J'ai pas de chat. Alors Ours Ted, on se mélange les pédales. C'est Minette, elle est perdue. Elle fait tout le temps comme ça. Oh, mais oui, je l'ai vue. Elle est passée sous mon nez juste au moment où Fripouille m'a faussé compagnie. Ton chat s'est réfugié dans une maison. Laquelle? C'est celle-là. Ton chat est dans cette maison. Bah, c'est chez moi. Viens. Bon, eh ben moi, avec tout ça, j'ai toujours pas retrouvé Fripouille. Fripouille? Minette! Minette! J'ai déjà cherché partout. Bon, toi, tu regardes en haut. Moi, je cherche en bas. Si ça se trouve, Minette, c'est pas qu'on la cherche. J'ai une idée. Je vais parler chat. Miaou! Miaou, miaou! Grand ours rose, viens vite! Minette est dans le grenier! T'entends? Ça vient de là! Oh, elle a eu des bébés! Oh, ma Minette, tu as des bébés! On t'a cherché partout, tu sais. Bonjour les bébés! Pousse-toi, je vais en prendre un! Oh non, doucement, c'est un tout petit bébé, tu sais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis, ces petits minous! Ils sont tout chauds et tout doux. Mais on n'ose pas trop les caresser. C'est vraiment des bébés. Ils ont l'air drôlement coquins, les bébés. Tu sais, Minette, j'ai un cadeau pour toi. Regarde, tu l'aimes bien? Oh, mais j'ai rien pour tes bébés, moi. Mais si, je sais. Papa, tu m'aides? Un pour toi, un pour toi, un pour toi et un pour toi, Minette. Eh bien, voilà trois petits minous qui ne vont pas s'ennuyer. Trois petits minous, petits minous, petits minous qui s'amusent comme des fous, comme des fous, comme des fous. L'abeille. C'est bon. Encore une. Ça pique. Ça pique. Maman. Oh, c'est rien. Je vais enlever le petit aiguillon que l'abeille t'a laissé dans la main. Et après ça, tu n'auras plus mal du tout. Non, ça va faire mal. Ça va te chatouiller un petit peu. Mais il faut bien enlever l'aiguillon, sinon tu vas avoir encore plus mal. Prêt? Aïe! Vite, maman! Ça vient, ça vient. Je l'ai, je l'ai. Et voilà, j'ai enlevé l'aiguillon. Bravo, mon petit ourson, tu as été très courageux. Ça fait quand même encore mal. Je te promets que bientôt tu ne sentiras plus rien. Un petit nettoyage et c'est terminé. Pourquoi elle m'a attaqué, l'abeille? Je lui ai rien fait, moi. En te voyant, elle a peut-être pensé que tu lui voulais du mal. Alors elle s'est défendue. Bah, une abeille, c'est tout petit, mais ça se défend bien. Et quand elle pique, on s'en souvient.
ensemble. Regarde qui est là. Tu viens jouer au ballon avec moi? T'as vu? Je me suis fait piquer par une abeille et ça fait très mal. Où ça? Je vois rien. Là, la petite piqûre. C'est minuscule. Oh non, une autre abeille. Ah, elle va m'attaquer. Mais non, elle ne va rien te faire du tout. La maison de minuscule abeille veut nous attaquer. Au secours. C'est pas gentil. On voit bien que c'est pas toi qui t'es fait piquer. J'ai fermé la fenêtre. Tu peux sortir de ta cachette. T'es sûre? Oh oui, il n'y a aucune abeille en vue. Viens, on va jouer au ballon. Il y a plein d'abeilles dehors. Alors non, merci, j'ai pas envie de me faire piquer encore. On n'a qu'à jouer dans ma chambre. J'ai pas envie, c'est mieux d'aller jouer au ballon dehors. Ta cousine a raison, il fait beau et vous serez bien mieux dehors. Je reviens. Une minute. Viens un peu par ici. On peut savoir où tu vas habiller comme ça? Je vais jouer au ballon avec Grand Ours Rousse. T'as besoin d'un manteau pour jouer au ballon? Oui, comme ça, aucune abeille pourra me piquer. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant pour te protéger des abeilles. Il te suffit de faire attention si t'en vois une. Et puis tu vas avoir trop chaud. Mais non, maman, j'aurai pas chaud. Ouais, à moi. Attention. Pousse. Allez, on joue. Ça donne chaud de jouer au ballon. Surtout avec un manteau et des gants. T'as qu'à les enlever. Non. Qui veut du jus de fruits? Ouais. Oui. Si vous avez besoin de moi, je suis dans le salon. T'embêter mon cousin. Viens un peu par ici, vilaine petite abeille. Pourquoi c'est moi qu'elle embête cette abeille? C'est fou, moi je lui ai rien fait du tout. Maman, il y a une abeille qui veut encore me piquer. J'ai essayé de l'empêcher, mais elle a continué d'embêter petit ours brun. Peut-être qu'elle t'aime pas. Je t'assure que l'abeille n'a absolument rien contre toi. C'est à cause de ta bouche toute sucrée qu'elle te tourne autour. Non! Fais-moi confiance. Elles ne vont rien te faire. Les abeilles se fichent pas mal des petits oursons comme toi. Elles, ce qu'elles veulent, c'est de bonnes choses à grignoter. Les fleurs, c'est leur régal. Ah, mais alors c'est pour ça que l'abeille était dans le framboisier? Oui, et elle voulait goûter aussi la confiture autour de ta bouche. Mais alors, les abeilles, elles ont rien contre moi? Elles sont juste gourmandes. Oui. Et si on allait jouer dans le jardin? Maintenant, je sais ce qu'elle aime. C'est le sucre et les fleurs. Oh, elle est partie! En fait, elles sont gentilles, les abeilles! Thank you.
Petit ours brun ne veut pas faire la sieste. Et dans le ciel, bébé ours brun. Oh, je crois que c'est l'heure de la sieste, petit ours. Qu'est-ce que t'en dis? Non. Ta maman m'a dit que tu t'étais couché tard hier soir. Mais je suis pas fatiguée, moi. J'ai pas envie de dormir. Moi, j'ai envie de jouer. Regarde qui voilà. Coucou, ma grande sœur. Bonjour, bébé ourseron. Alors, c'était bien le centre de loisirs? J'ai fait un gâteau aux pommes. Et j'en ai gardé une part pour toi. Oh, merci, ma petite chérie. Waouh! Comme il est joli, ton gâteau. Et il a l'air sacrément bon. Y a du gâteau pour moi? Regardez-moi tous ces endormis. Je suis pas du tout endormie, moi. Toi aussi, t'as envie de faire dodo. T'as les yeux tout bizarres. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Allez, si tu fais une toute petite sieste, après je partage ma part de gâteau avec toi. Je veux pas faire la sieste. Et en plus, je suis même pas fatiguée. Viens, j'ai une idée. Je vais te faire un bon café. Comme ça, t'auras plus du tout envie de dormir. Vol, vol, petit oiseau, tout là-haut, il fait si beau. Dis, oiseau, comment c'est là-haut? Est-ce que l'arc-en-ciel a le goût du miel? Est-ce que les nuages sont vraiment sages? Eh oh, tu dors? Non. Si, tu dors. Mais non, c'est mes yeux qui dorment, c'est pas moi. Fais voir. Ah là là, tes yeux tiennent même plus debout. Ça veut dire quoi? Faut faire la sieste, sinon tes yeux vont continuer à se fermer tout seul. D'accord, je vais faire une petite sieste de rien du tout et après je reviens jouer avec toi. Chut, ne fais pas de bruit. Bébé ourseron fait la sieste. Ah bon, il voulait plus jouer? Bébé ourseron est encore petit et les bébés font la sieste, c'est normal. Eh ben moi, je fais pas la sieste. Je suis pas un bébé. Je croyais que j'étais fatiguée, mais en fait, ça va aller. T'as déjà fait la sieste? Eh ben dis donc, c'était une mini-sieste. La plus petite de l'univers. Je suis plus un bébé. Je vais pas faire la sieste. Regarde, mes yeux m'embêtent plus du tout. J'ai retrouvé ma base super rebondissante. On joue? Attention, petit ours. La droite. Attention, elle repart derrière toi. Hé, mais pourquoi t'arrêtes? T'as perdu, tu l'as pas rattrapé. Je te laisse encore une chance. Attention. C'est pas du jeu. Tu fais exprès de lancer la balle fort pour pas que je l'attrape. Mais non, c'est comme ça qu'on joue. J'irai pas chercher la balle. Oh, t'es mauvais joueur. Non, c'est toi. J'en ai marre d'elle. Et puis je me sens tout mou. J'ai envie de pleurer. J'y comprends rien du tout. Tu pleures parce que tu perds? N'importe quoi. Je pleure pas d'abord. Mais arrête de m'embêter. Ça te fait rire d'habitude quand je te chatouille. Oh, extra chouette. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que tu fais, nounou? J'imite Minette. Je fais ça dès que j'ai un petit coup de fatigue. C'est très amusant et ça me détend. Moi aussi, je vais le faire. Allez, tu te joins à nous, petit ours brun?
Parfait, mes petits chats. Et maintenant, on fait le dos rond et on s'étire comme Minette. Et on s'étire et on s'étire. On appuie sur ses pattes. On lève une patte, puis une autre. Et fou, on se repose tout gentiment. Vous savez pourquoi les chats dorment si souvent? Parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Non, parce qu'ils adorent jouer. Et rien de tel que la sieste pour retrouver une super forme. Et jouer pendant des heures. J'ai fait dodo. Ah oui, tu en avais besoin. Arrête, ça chatouille. Alors, on le mange, ce gâteau aux pommes? Attention. Hé, hey, c'est pas juste. Avec toutes les siestes qu'elle fait, elle est trop forte. L'ourson de neige. C'est bizarre. C'est froid et c'est doux. C'est des petits flocons qui se posent partout. Mais... Maman, j'ai mal aux doigts. J'ai les pieds tout froids. Aïe, 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 aïe. Tu sais bien qu'il faut mettre tes moufles et tes bottes pour jouer avec la neige. Oui, mais c'est trop rigolo de toucher la neige avec ses doigts. Bon. Mais si tu veux retourner dehors, tu vas te changer. Ouais, trop bien! On fait une bataille de boules de neige. Ah non, c'est la tête de mon ourson. Tu sais, c'est papa qui m'a appris à rouler les boules de neige. Mais attention! C'est mon frère! Il est caché derrière l'arbre! Là! Ha ha! On t'a vu, ours noir! Défendez-vous, bande de boules mouillées! Mon ourson! Je vais te protéger. Pas de gros bobos. Merci. Bon, on continue? Non, pas moi. Moi, je veux finir mon ourson des neiges. Ha ha! Alors attention à toi, ours noir. Oh, mais faut que je te trouve un nez. C'est pour quoi faire? C'est pour mon ourson. Il est bien, hein? Ben oui, mais il lui manque une bouche. Regarde comme il est content. Il est super beau, mon ourson en neige. Je l'ai fait tout seul en plus. Moi aussi, je vais en faire un.
Pour toi, c'est une ours de neige. Tu viens? Tiens, pour te défendre. Fais pas ça dans la maison. Il fait trop froid dehors. Justement, c'est parce qu'il fait froid dehors qu'il y a de la neige. Ici, il fait trop chaud, elle va fondre. Alors faut se dépêcher de finir mon ours. Tu veux bien nous aider? Hop, hop, hop. Je vais plutôt vous aider à réparer cette grosse bêtise en remettant la neige dehors. Ils sont pas ensemble. Ben, on n'a qu'à les rapprocher. C'est de là. Ils ont l'air contents d'être ensemble, comme des cousins. J'ai froid. On se tient bien chaud comme ça. Oui, et nos oursons, ils se tiennent bien froid. Petit frère. Tu fais quoi, papa? Chut! C'est une surprise. Tu la verras quand j'aurai terminé, d'accord? Une surprise pour moi? Ah, je sais, c'est un petit train. Alors, un établi de bricoleur? Un garage pour mes petites voitures? Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Alors, sois patient. Va jouer avec ta cousine. Je viendrai te chercher dès que j'aurai fini. C'est promis. Et puis il y avait des planches grandes comme ça. Ça va être une grosse surprise en bois. La chance, ton papa il est vraiment trop fort. Tu vois le lit de bébé ourseron là? Eh ben c'est lui qui l'a fait. Même qu'il a utilisé des planches grandes comme ça. Oh, si ça se trouve c'est ça la surprise. Mais oui, c'est un lit de bébé. Et ça veut dire que tu vas avoir un petit frère. Un petit frère? Oh là là, avec lui, tout ce que je pourrais faire. C'est la plus belle surprise de la terre entière. Hourra! Je vais avoir un petit frère. La 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 l'air. Ouah! Si ça se trouve, ce sera une petite sœur. Si c'est un garçon, on l'appellera... Tout petit ours brun. Et si c'est une fille, eh ben on l'appellera bébé ours brune. Ce qui compte, c'est que si j'ai un petit frère, moi, je vais être un grand frère. Au fait, à quoi ça joue un bébé? Pff, bah, à rien. Un bébé, ça ne sait pas jouer avec les grands.
Eh ben moi, je jouerai quand même avec mon frère. Ah oui? Et à quoi, par exemple? Je sais, aux petites voitures. Broum, 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 broum. Tu veux jouer avec nous, bébé ourseron? Génial! Je vais chercher mes petites voitures. Moi, je veux la rouge. La rouge pour Grand Ours Rousse, la bleue pour moi, vu que c'est ma préférée, et la verte pour... Oh non, c'est aussi ma préférée. Ma jouet, je veux bien les prêter, mais ceux-là, c'est mes préférés. Et doucement, tu vas la casser. Je te l'avais bien dit que les bébés savaient pas jouer comme nous. Papa. Attends, on va jouer à un jeu moins fragile. Enfin, je veux dire... plus facile. Et aussi plus rigolo, d'accord? Attrape, bébé ourseron. Pleure pas, bébé. Maman. Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est rien, mon ourson. Voilà. Oh. Moi aussi, câlin. Je voulais juste jouer à la balle avec bébé ourseron. J'ai pas fait exprès. C'est gentil, mais tu sais, il est encore un petit peu petit pour jouer à ça. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Allez, allez, c'est fini. Distribution de bisous magiques. Moi d'abord. Bisous, bisous. Les plus petits d'abord. Un bisou pour bébé ourseron. Un pour petit ours brun. Et un pour toi. Vous pouvez jouer avec lui, mais choisissez un jeu plus calme. Mais quel jeu calme? T'as une idée, toi? Bah, je sais pas, c'est dur. Et si on jouait à cache-cache? D'accord. Nous deux, on se cache et bébé ourseron nous cherche. T'inquiète pas, bébé ourseron, c'est qu'un jeu. On est là. On jouait à cache-cache et quand on s'est caché, il a eu peur. À mon avis, ce petit ourson grognon a aussi un peu faim. Ah bon? Les bébés, ça pleure pour avoir à manger? Eh ben oui. Et c'est justement l'heure de son biberon. Tu veux lui donner? Moi? Bah ouais, d'accord. Et moi alors? Oh, mais dites-moi, ce bébé ours est très demandé. Quelle star! Tu lui donneras ce soir. D'accord, ma princesse? Tu sais, je suis vraiment désolée pour le ballon tout à l'heure. Ah oui? D'accord. Ah oui. Oh, pardon. Quand tu auras fini, tu pourras me rendre mon petit frère. Moi aussi, je veux lui faire un câlin. Petit ours brun, ta surprise est prête. Ouais. Et voilà. Si tu veux, tu pourras la peindre avec maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Elle te plaît pas? Si, mais je croyais que t'allais m'apporter un lit avec un petit frère. Quoi? C'est pas grave. Tu me prêteras le tien? Grand ours rousse.